Salut à tous, vous allez voir une vidéo un peu longue. La première partie fait environ 45 minutes, la deuxième en fait à peu près 25. La première partie présentera la Manjaro Architect 0.8 pour quelque chose. La deuxième partie, la bonne vieille Netinstall 16.08. Tous les détails dans le raw datage et les liens divers sont dans le descriptif. Sur ce, bon visionnage et à plus. Ciao! Donc, comme vous avez pu voir dans l'intro que j'ai enregistré bien après cette vidéo, on va commencer l'installation de la Manjaro Maté, maison sans la personnalisation de Manjaro, avec la Manjaro Architect. On va voir combien de temps ça va prendre. Donc, on lance le projet. Tout est dans le descriptif, bien sûr, comme je l'ai précisé dans l'intro. Voilà, donc, sac. Il faut garder en mémoire que pour le moment, c'est une version 0.8 point quelque chose, donc c'est une version encore en développement. Donc, qui peut potentiellement vous claquer dans les doigts. Il faut garder ça à l'esprit. Donc, comme je vais le préciser à chaque fois dans les deux parties de la vidéo, je vais essayer de faire un partitionnement personnalisé avec une partition swap séparée. Voilà. Donc, on se connecte. La chance, le clavier est en français. Bien sûr, bah, ça va comme ça. Donc, on va faire un petit setup. Donc, il nous met à jour le paquet. Ah, il y a un dépôt qui répond bien. Ça fait plaisir. Donc là, première étape, choix de la langue. Classique. Pardon. Encore que. Donc là, on voit quand même, apparemment, il y a dû tomber sur un bon miroir, apparemment. Avec un peu de chance, ça peut arriver. Donc, option du menu, blablabla. Ok. Donc là, on est principales étapes, préparer l'installation, la base, la configurer, vérifier configuration, installation avancée est terminée. Donc, on va prendre ça dans l'ordre. Préparer l'installation, console virtuelle, donc ce français, on n'a pas besoin. Partitionner les disques. Donc, de préciser qu'il faut faire gaffe au cas où on aura une clé USB, c'est logique. Non, je vais prendre un partitionnement manuel avec CFdisk. Donc, DOS. Donc, je vais prendre un partitionnement classique. Si j'ai oublié de me tromper, ça serait mieux. Donc, 512 mégas pour boot. On va mettre 4 Go pour swap. Si vous en mettez 2 Go ou pas de swap du tout, c'est votre choix. 20 Go pour le route et le reste sera pour la partoche primaire. Enfin, partoche home. On écrit. Donc, jusque-là, rien de bien sorcier. Bon, on va monter les partitions. Ne pas formater. Ce serait mieux de formater. Donc, accepter la partition route. Donc, on se constate qu'il n'y a pas de Alexandrite 2. Tant pis. On mettra la partoche. Là, par contre, je ne comprends pas. Parce que ce n'est pas à l'utilisateur de gérer ces points précis. Parce qu'il y a quoi ça sert data journal, data write-back, dialogue, discard. C'est quoi ça? Donc, là, on fait accepter. Alors, le swap. Là, ça sera la partoche, on mettra les 4 qui sera montée sur boot. Toujours cette question, à quoi ça sert, sauf si c'est vraiment hyper pointu, ce qui ne correspond pas franchement ou hyper motivé. Bref, et là, on va mettre Exonit 4 pour la partition home. Donc, toujours la même question, on s'en bat les steaks. Donc, retour, ok. On installe la base. Configurer la miroir. Ah, c'est bien ça. On va utiliser le classement du miroir. On nous propose, oui, pourquoi pas. On va rester en stable. Ok.
Donc, il n'y a que le miroir français qui sont disponibles, apparemment. Mais on va regarder celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Retour. Là, je pensais quand même que l'actualisation des clés serait en automatisé. Moi, je pense quand même que c'est une option qui devrait être théoriquement automatisée, parce qu'étant donné que les clés changent régulièrement, autant les automatiser. S'ils veulent le considérer que c'est nécessaire de faire ça, moi, je pense que c'est quand même un truc qui devrait être en automatique. Mais ça donne un petit complexe, ça rallonge un peu l'installation, quoi. C'est ça qui est ennuyeux. Installer les paquets de base, oui, d'accord. On peut installer en PNRC, pourquoi pas, mais personnellement je vais rester avec systemd. Et là par contre c'est un peu fouillis, parce qu'on se retrouve avec... Alors je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 noyaux différents, dont au minimum un est déjà mort. Base level, pourquoi yaourt? Pourquoi pas? Donc je vais sélectionner yaourt et je vais prendre le noyau. Par contre, c'est pas précisé, lesquels sont LTS ne sont pas LTS. Dommage, ça aurait pu être plus intéressant pour l'utilisateur. Donc j'accepte le noyau 4.9 LTS. Et là, par contre, mais je comprends pas. Normalement, c'est à l'outil MHWD d'installer les dépendances nécessaires. Donc je vais quand même installer les paquets complets. Donc je vais rajouter le guest module. Tandis qu'on est sur une machine virtuelle, donc il faut les guest modules. Mais même si on formate en ZFS, automatiquement, ça devrait être des options qui doivent être automatisées. Parce que la personne ne sait pas, une personne qui ne connaît pas trop son matos se dire c'est quoi ça? Bon, sûr, elle prendra plus l'installateur automatisé que ça, bref. Donc, OK, accepté. Donc, il nous installe tout. En 2000 pieds, je pense. Ben, ça fait vraiment penser à une installation classique d'Arch Linux, ne serait-ce que ça, une présentation comme ça. Moi, c'est une présentation que je trouve sur l'installation la mimine d'Arch Linux, quoi. C'est pas une présentation que je m'attends à trouver avec une Manjaro. Pardon. Donc, je me pose la question, est-ce que Manjaro Architect est vraiment destiné aux utilisateurs de Manjaro ou à des utilisateurs qui auraient un peu le cul entre deux chaises, qui seraient bien avancés avec Manjaro, mais pas suffisamment pour Arch, et qui craindraient de faire le grand bond, le grand saut. C'est une possibilité. On constate que c'est noyau 4.9.16, je crois qu'on est au 4.9.20, bon, c'est sympa à savoir. Hein. On va faire un petit tour sur le kernel.org. Voilà, je crois que le noyau LTS c'est le 4.9.20. Oui, le 4.9.20. Donc le noyau LTS c'est les 4.9, 4.4, 4.1, 3.16, 3.12, 3.10, 3.4 et 3.2. Waouh! Donc là il y a 4 versions de décalage. Bon, il y a aussi le petit décalage nécessaire à la temporisation sur Manjaro. C'est pas mortel. D'accord, il y a des miroirs qui sont un brin mort, c'est qu'il faut le dire ainsi. Donc là, en gros, en 3 minutes, c'est installé la base.
par contre, c'est le genre de présentation qui pourrait peut-être effrayer un peu les utilisateurs qui sont un peu. Est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais rester avec l'installateur graphique classique? Non, c'est vraiment un outil pour les utilisateurs assez avancés qui hésitent presque à sauter le pas, je pense. Enfin, c'est l'impression que j'en ai. Sauter le pas vers Arch Linux. Donc, installer Bureau Manjaro. Donc, qu'est-ce qu'il propose? GNOME, KDE, LXQT, XFCE, BSPWM, Budgie, Deepin et 3MAT. Donc, je ne veux pas de bureau, je veux juste la base. Donc, on va faire annuler. Installer le chargeur d'amorçage. Bon, je vais mettre avec un dual boot, même si ça ne sert pas à grand-chose en virtuel. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ah, par contre, dommage, il ne propose pas 6 Linux. Ok, donc on installe GRUB. Pour les personnes qui auraient préféré 6 Linux, c'est dommage. Mais je crois que l'ancien NetInstall proposait 6 Linux aussi. À vérifier. Donc, on fait retour. On configure la base. Donc là, des trucs, générer fstab, je sais ce que ça veut dire, définir notre, ok. Mais est-ce que certains points n'ont pas pu être déjà automatisés auparavant? Ne serait-ce que le fstab. On va générer le fstab. On va prendre celui-là. Le nom d'hôte. Donc ça. Voilà. Les paramètres régionaux, donc on va se mettre en FR, FR, UTF-8. L'agencement du clavier, je le veux en français, merci. Il y a un petit problème. Bon, ça peut arriver. Donc le clavier ne sera pas français dans Xorg. Petit bug, ça arrive. Le fuseau horaire. Mais il faut bien se souvenir aussi que c'est une version entre guillemets de développement. Et pas d'ailleurs entre guillemets, une version de développement tout court. Donc je veux en UTC étant donné que je suis en monoboot. Le mot de passe administrateur. Et on va ajouter des utilisateurs. Un ou plusieurs, bien sûr. Non, je vais prendre Bash. Je me demande pourquoi il propose ZSH. Je préfère en prendre Bash pour un utilisateur classique. Parce que ZSH, quand même, est déjà un shell avancé. Même s'il est très puissant, c'est un shell avancé. Donc, ok, ça c'est fait. Vérifier le fichier de configuration, on va lui faire confiance. Terminé. Pas d'installateur. Aucun ordinateur graphique installé. Mais ça, on verra après. Oui. Normalement, il a dû installer au minimum VESA. Parce que c'est une machine virtuelle, VirtualBox. Donc on va faire sudo reboot. Et on va voir ce que ça donne. J'espère n'avoir oublié aucune étape. En tout cas, j'ai suivi toutes les étapes. Donc normalement, il devrait y avoir du réseau et compagnie. À moins que je saute une étape, mais pourtant je les ai suivies toutes. Donc on va faire. Donc on va voir déjà si on a du réseau. Et bien sûr, le clavier n'est pas configuré en français. Donc on fait sudo nano, etc. vconsole.conf. Étrangement, le clavier n'était pas en français au démarrage. Bon, je pensais pouvoir pourtant avoir demandé. J'aurais dû vérifier les fichiers de configuration. C'est de ma faute. Donc on fait un petit load kizfr pour avoir le clavier en français. Excusez, c'est mon téléphone portable qui s'excite. Donc ensuite on fait, on va voir si on a du réseau. On n'a pas de réseau, d'accord. Donc sudo DHCP NP 0S3, je peux me souvenir. Donc DHCP CD. Voilà. Donc cette fois-ci on a du réseau. Je pensais qu'il aurait activé le réseau par défaut, mais non. Bon, mais ça serait sûrement. J'ai dû oublier une option.
Bref. Donc, on fait sudo pacman. Enfin, on va passer combien il y a route insert, on va faire yaourt. Moins S network manager. Comme ça, au moins, on aura du réseau. Et on va activer Network Manager. Network Manager. Comme ça, on aura du réseau au démarrage suivant. On va vérifier que le paquet XF86 Video Visa est installé. Non, il n'est même pas installé. C'est dommage parce que c'est le pilote passe-partout qui permet d'avoir du réseau. Enfin, d'avoir du réseau, du l'affichage. Donc maintenant, on va faire yaourt moins s maté maté extra light dm gtk 3 gtk greater. On va rajouter ce paquet aussi pour au cas où on voudrait gérer une imprimante. On va rajouter les Manjaro setting managers, setting manager, settings manager et PAMAC. Comme ça, on pourra rajouter des paquets qui manqueront ensuite à la mimine pour compléter l'installation. Là, je vais. Tant que ça va, je vais voir mon portable. Je vous m'excuse. Excusez. Voilà, juste un petit message auquel il fallait que je réponde. Excusez pour les interférences. Donc là, on va avoir un Maté Desktop but de décoffrage parce que je ne suis pas super fan de l'installation de Maté Desktop proposée, enfin personnalisation proposée par Manjaro. Donc pendant qu'il s'installe, voilà. Et bien sûr, je propose Maté parce qu'il est beaucoup plus rapide à installer que les autres. Et beaucoup plus straightforward, comme on dit en anglais. Direct. Pardon. Bien sûr, si vous voulez vous installer GNOME ou autre, vous pouvez le faire aussi. Mais là, je vais juste vous montrer Manjaro Architect. Pour le moment, j'ai trouvé un peu complexe comme logiciel. Pas assez direct, pas tout, se perdre dans les détails. C'est ça qui est ennuyeux. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas trouvé de réseau. Peut-être qu'il n'active le réseau que si on fait une installation complète. Moi, je voulais faire une installation strictement minimale, comme proposé à l'époque NanaTestal. Bon, c'est de ma faute. J'aurais pas dû. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va lancer, on va passer en mode graphique et je vais compléter l'installation. Après, redémarrer une dernière fois pour voir si tout fonctionne bien. Sudo systemctl start lightdm. Et là, on passe en plein écran. Ah, il passe pas, tiens. Il doit manquer un paquet, je ne sais pas lequel. Bon. C'était. Bon, on va faire CTRL F2. À la guerre comme à la guerre, hein. On va faire yaourt-s.
Xorg. Donc je ne sais pas quel pack il manque encore. Donc on va faire une installation complète de Xorg. On va tuer l'IDM et on va le réinstaller. Le relancer, pardon. Parce qu'apparemment il doit manquer des paquets, je ne sais pas lesquels, qui font que l'IDM ne veut pas démarrer. Bon. Donc, on va faire un sudo systemctl stop. Systemctl stop l'IDM. Et on va faire un start. Cette fois-ci, normalement, il devrait démarrer. Ah, c'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Voilà, c'est pas sur l'écran, bien sûr. Bon, je vais passer en plein écran. Voilà, donc il faudra juste... C'est pour ça que j'ai installé PAMAC pour rajouter les polices d'affichage et compagnie qui vont manquer à l'appel à Tarte. Parce que la présentation n'est pas extraordinaire. Donc, on va personnaliser tout ça. Donc déjà, la sourdine, on va la sortir. On va monter le son au maximum. Et on va passer par PAMAC pour installer quelques paquets qui manquent. Bon, on va commencer déjà par les fontes. Enfin, les polices d'affichage, si vous préférez. On prend déjà vu. Alors, Bitstream Vera. Libération. Et Free Font. Si je le retrouve. Ma petite Free Font. Voilà. Et d'un seul coup, l'affichage va être un peu plus sympa. Normalement. Ah, déjà c'est un peu plus agréable. Donc bien sûr, les personnes qui n'aiment pas les thèmes clairs, je vais passer en thème sombre. Voilà, vous êtes content? Vous avez votre thème sombre? Voilà. Donc là, on va rajouter certains outils Manjaro. Bien sûr, j'oubliais qu'il n'y avait pas le clavier. Alors, clavier. Voilà. On va mettre le clavier en français, ce sera un peu mieux. Enfin, le clavier dans la langue qui correspond à là, voilà, ça va être déjà un peu mieux. Voilà, comme ça, ça évite de se faire des nœuds au cerveau. Donc, dans Manjaro, on va rajouter tout ce qui est ALSA, pour avoir le son, bien sûr. Si vous voulez les icônes, moi, je suis pas super fan, mais... C'est vous qui voyez. Donc, on va rajouter aussi le Pulse Audio Support, le Printer Support, Setting Manager Notifier, on verra après. On va déjà commencer par appliquer, on va mettre aussi le Notifier, allez, boum. Et... les papiers peints officiels. Voilà, pour commencer. J'en profite aussi pour activer les dépôts AUR. Pour activer AUR une fois que ce sera activé, bien sûr. Voilà. Donc on va changer le papier peint. Enfin, si vous préférez le fond d'écran. Alors, on va prendre celui-là qui est sympa. Voilà. C'est quand même mieux.
Alors, préférence, je vais aussi activer AUR. Clac. Ça peut toujours servir. Et nous avons notre Manjaro maté. Bien sûr, vous n'avez pas la personnalisation, mais vous avez quand même quelque chose de sympa. Je ne suis pas fan du tout du thème d'icône de maté, enfin de Manjaro maté, de Manjaro officiel. Je les trouve inesthétiques. Après, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est activer. Voilà, on va mettre Enable l'IDM. Ah, j'ai oublié les icônes pour le Network Manager. Et je vais rajouter un logiciel qui est bien pratique, qui permet de gérer en graphique les services systemd. Parce que se les taper à la main, c'est parfois un peu ennuyeux. Donc, je vais installer Chromium. Je peux installer que Firefox, mais là j'ai envie de installer qu'un seul paquet, donc je vais installer Chromium. Voilà, choisir, valider. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler d'un paquet qui s'appelle systemd. Alors, c'est trop beau. Systemd Manager. Qui est un peu loin à compiler, mais qui permet de gérer en mode graphique tous ces services systemd. Je reviendrai dessus plus tard dans une autre vidéo. Mais déjà, cela permet de générer l'ensemble à la mimine, enfin de gérer l'ensemble à la mimine, le CRS activé par exemple systemd, systemd activé par exemple le CUPS, activé le système de log, etc., etc., etc. Bien sûr, désactiver, démarrer, désactiver, bref. Donc, on va appliquer ça. C'est un logiciel en Rust. Ah, il n'avait pas installé des paquets de développement. Ouais, superbe. Je pensais pourtant qu'il avait installé base level. Bon, apparemment, l'installation de la partie base level s'est mal passée avec Architect. J'ai pourtant bien coché yaourt plus base level. Donc il va y avoir un petit bug encore dans Manjaro Architect. D'accord. Il y aura un léger bug dans Manjaro Architect par rapport à ça. Bon, c'est une version de développement, c'est normal qu'il y ait des bugs. Donc c'est un peu loin à compiler, désolé. Mais le principal, c'est qu'il y a Chromium. Comme ça, on va pouvoir voir si... Alors, bien sûr, vous avez tout ensemble maintenant qui fonctionne. Hein. Comme je vous le prouve. C'est dommage parce que... Bon, peut-être aussi que l'installation complète des départs permet d'avoir l'ensemble fonctionnel. Mais si on n'aime pas la personnalisation, le jeu d'icônes ou la présentation, on est obligé de se faire tout à la mimine. Personnellement, je préfère une présentation comme celle que vous avez sous les yeux. Après, les goûts, les couleurs. Et par contre, ce qui est étrange, c'est que je ne suis pas en plein écran. Est-ce que les paquets VirtualBox Host Module ont vraiment été installés? Enfin, Guest Module ont été installés. Je me pose des questions. Ou est-ce que le système, enfin, si le service a été activé aussi? Donc, on va savoir ça très rapidement. Désolé, c'est un peu long à compiler, mais au moins ça permet d'avoir un outil assez simple sous les yeux qui permet d'activer et désactiver
de démarrer et d'arrêter des services avec un simple clic de souris. Mais ce n'est pas l'outil qu'on utilise tous les jours, mais qui est bien pratique et bien sympa quand on veut activer ou désactiver certains profils, enfin certains services, pardon. Toujours cube, mais on va voir quand même si c'est démarré ou pas. On a pas mal de petits outils, bien sûr. Bon, mais je mets le strict minimum, bien sûr. Après, vous pouvez personnaliser à volonté. Je n'ai installé que la base. Mais par contre, il est un peu loin compilé le père, hein, système des managers. Vous pourrez prendre un café, c'est bientôt fini. Donc, est-ce qu'il y a les répertoires utilisateurs? Je n'ai même pas jeté un œil pour voir s'ils sont activés. Ah non, il n'y a pas les répertoires utilisateurs. D'accord, il faut juste que je les active aussi. J'ai oublié de les installer. Ça ne sera pas le plus long à installer. Loin de là. Donc je vais l'installer en vitesse le temps qu'il me finisse ça. Donc on fait XDG, user DNS update. Voilà, mis à part que desktop. Au lieu de bureau, c'est desktop. Mais on a au moins les répertoires utilisateurs en français. Bah, il a avancé cette andouille ou pas? On va voir si on peut trouver système des managers pour vous le présenter en vitesse, pendant qu'il se compile. Chercher. Non, merci. Alors, on va chercher système des managers. Voilà, donc voilà page. Ah, ça y est, terminé. Et zut, c'est pas sur ce que je voulais cliquer. Non, je crois qu'il y a des. Bon, la capture d'écran, voilà à quoi ça ressemble en gros. C'est très complexe, comme vous pouvez le constater. Donc, j'espère qu'il aura bientôt terminé. Allez, ça y est, c'est bon, on est sauvé. Donc, on va voir si certains services sont activés ou pas. Donc, je crois me souvenir que c'est dans l'outil système.
Voilà, SystemD Manager. On a besoin de l'autorisation. Alors, Network Manager, on va l'activer, le démarrer. Donc, activer et démarrer. Ensuite, Display Manager. J'ai dit que je voulais l'activer. Bon sang. Bon, il va être démarré déjà. Chrony, on va l'activer et le démarrer. Les outils, par exemple, ABDNS, clac. Clac. Start. Donc, ceci est redémarré lui aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Network Manager. Voilà. Démarrer, c'est bon. CUPS, on va l'activer et le démarrer. Merci pour plus tard. Ah, il y a deux mises à jour, on le verra après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le disque, ok, bon, ben c'est bon. Hein. Par contre, j'ai rien vu avoir servi à VirtualBox. Bon, apparemment, les paquets VirtualBox n'ont pas été installés. Donc, on va déjà mettre les mises à jour, les appliquer. Et on va finir en cherchant les paquets VirtualBox pour voir s'il est bien présent ou pas. 50 mises à jour disponibles alors que je viens juste de faire l'installation. Je pensais pourtant que c'était installation à jour. Bon, on va faire une mise à jour. D'accord, mais je suis tombé sur une mise à jour entre-temps. Ben, la faute à pas de chance, hein, comme qui dirait. Je pensais pourtant que l'installation allait me mettre quelque chose à jour directement. Ah, apparemment la version 17.0.1 de Manjaro est sortie. Je pensais qu'il ne voulait pas sortir des points de release, était trop complexe. Bon. Ben j'ai rien dit. Allez, à du direct. Je vais voir sur Manjaro.org si la 227 est officialisée. Ah, la 227 là. 17.0.1 est officialisée ou pas. C'est dommage quand même de tomber comme ça sur un aléa du direct. Donc le noyau 4.20, je suppose, pour le noyau. Alors, Linux 4.9, ou les 4.9.20, oui, d'accord, mais on est tombé sur une grosse mise à jour entre-temps. Ouais, super, merci Zé du direct. Je pensais quand même que le Manjaro Architect devait proposer directement une mise à jour sans avoir besoin de rajouter des paquets par-dessus. Ben, non, apparemment.
Donc là, je vais juste voir si c'est un paquet. Ah, Manjaro Setting Manager, bien sûr. Suis-je bête? Manjaro Settings Manager. Alors, administration, centre de contrôle, voilà. Manjaro Settings Manager, gestionnaire de paramètres, voilà. Apparemment, il ne va pas démarrer. Ah, si. Noyau. 9.20, ok. Configuration matérielle. D'accord, il n'avait pas installé les pilotes. Superbe. Alors je lui avais demandé à l'installation. Cool, Raoul. Ah bien sûr, ça je suis obligé d'attendre de redémarrer pour pouvoir le faire. Très bien, on va redémarrer pour pouvoir avoir droit au pilote avec Noyau 4.9.20. C'est vraiment un bug du Manjaro Architect. Si on fait une installation minimale. Donc là, on est reparti. Ah, apparemment, cette fois-ci, on est passé en plein écran. Donc je ne sais pas si notre ami les pilotes pour VirtualBox sont activés ou pas. Ok. VBox service n'est pas activé, donc on va l'activer et démarrer. Voilà. Au moins, ça c'est fait. Sinon, on va en vitesse maintenant. Si Manjaro 17.01 est officiellement sorti, apparemment, ça serait le cas. Si j'en crois ce que j'ai pu voir dans les paquets mis à jour. Alors, dans les nouveautés. Bon, ça c'est bien sûr le poisson d'avril. Non, la Manjaro 17.01 n'est pas officialisée, mais si on va dans le Uname, ta bouche, voilà. Si on va dans le Uname, outils système, moniteur système maté. Je suppose que si on fait un petit LSB release, c'est installé bien sûr. LSB release, moins A. Vous voyez bien, 17.0.1. Donc attendez-vous rapidement à avoir une 17.0.1. Donc là, A, on va bien vérifier que l'imprimante est bien installée. Il suffit de faire un petit localhost 2.631. Et on a bien Cubes qui est installé. Donc là, on va éteindre cette version. Donc vous avez pu le voir, il y a quelques bugs résiduels dans Manjaro Architect. Le clavier qui n'est pas activé, des paquets qui ne sont pas installés même sur le demande, base de Valve qui n'est pas complètement installée. Ça fait un peu. Bon, c'est vrai que le logiciel est encore en cours de développement. Donc maintenant, je vais arrêter la vidéo. Vous avez vu, ça a à peu près pris une grosse demi-heure. Maintenant, je vais m'attaquer. Je vais enregistrer la vidéo et je vais m'attaquer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir l'installation partant du NetInstall 16.06. A tout de suite! Voilà donc, après les 40 et quelques minutes de la première partie de la vidéo, on va voir combien de temps je vais mettre pour installer une Manjaro avec Maté, sans la personnalisation de Manjaro, en partant de la vieille NetInstall 16.08.
Comme dans le descriptif, vous trouverez les liens vers LinuxTracker pour récupérer les ISO en 32 et en 64 bits pour la netinstall. On va voir ce que ça donne côté vitesse d'installation pour l'ensemble. Bien sûr, je couperai pour les grosses mises à jour, histoire de vous dire, vous aurez qu'à faire une petite addition pour savoir combien de temps ça a pris. On y go. Donc la 16.08, comme ça on l'a dit, qui était sortie en août 2016. Donc en gros, il y a pas loin d'un an. Au moment où j'enregistre la vidéo, bien sûr. Donc là, c'était l'ancienne génération de netinstall. Peut-être qu'il y avait une 16.10, mais je ne m'en rappelle plus. Donc je vais retrouver la plus ancienne que j'ai pu retrouver. Et donc on va voir ce que ça donnait à l'époque. Là, je vais précieusement garder les ISO de côté. Ça peut toujours servir. Donc, comme pour l'autre vidéo, je vais faire un partitionnement avec root, enfin, boot, swap, root et home. Donc là, il faut attendre que MHWD se lance bien. Et de mémoire, l'ancienne netinstall installait directement la base plus Xorg. Ok, donc c'était sudo clean installer. Voilà. Donc, date et heure, UTC, Europe, Paris. Ok pour la date, l'heure est ok aussi. Alors, partition à drive. Non merci, je vais pas de GPT. Ok, on va sélectionner DBSDA. Oui. Ok. Ah merde, c'est pas par tête que je voulais faire. Quit. Other. Done. Donc on va faire partition à drive. No. Ah d'accord. C'était partied. Bon, on va y aller avec partied. Parce que je pensais que c'était CF disque, donc. Donc je vais essayer de voir. Non, je vais faire quit. Je vais voir ce qu'il me propose en partitionnement automatique. Auto prepare. No. Ah oui, d'accord. C'était quand même mieux passer par l'automatique parce que vous prévoyez automatiquement. Oups, je ne m'en rappelle plus. 10 Go. On va mettre 20 Go de disque. Voilà. Extended 4. Ok. Yes. On va prendre celle-là. Voilà. Déjà, il vous générait automatiquement aussi le extab. C'est une étape de moins. C'était apparemment un peu plus automatisé que l'architecte. Ce qui n'est pas un mal au final. Ok, préparation, ok. Installation du système. Bon, évidemment, c'est une installation hors ligne. Donc, ça va être sûrement une vieille version. Il va y avoir pas mal de logiciels à mettre à jour. Mais est-ce que c'est un mal? Bon, c'est vrai, par rapport à presque un an, donc il va y avoir une liste longue comme le bras de mise à jour. Mais on va voir déjà, au moins, ce que ça donnait. Ouais, il y en a déjà à l'installation des paquets. On n'a même pas passé 4 minutes dans la vidéo, dans cette partie de la vidéo. Donc je suppose que on est au 4.1. Donc on parlera plutôt sudo Linux, enfin sudo MHWD kernel 4 Linux 4.9 qui mettra automatiquement les bons pilotes à jour. Et si tout se passe bien, on aura directement la version 17.01, parce que vous avez pu voir dans la première partie de la vidéo qu'on avait installé une 17.0, et puis finalement, boum, on est tombé en 17.01. Bon. Ça arrive. Et peut-être qu'on aura aussi directement les paquets VirtualBox qui n'avaient pas été installés dans la première partie de la vidéo.
Voilà, donc ça c'est OK. On passe à la configuration de l'ensemble. J'ai trouvé déjà les bases de données de Pacman. Et de mémoire, il n'y a pas eu de changement de version de Pacman, donc c'est bon. À moins qu'il soit passé à la version 5. Enfin, c'est le 4.2, la 5, c'est le même format de base de données. Donc ce n'est pas franchement mortel. Voilà. Oh, MHWD qui installe le pilote vidéo. Oh, que c'est bien. Donc déjà, bon, mais ça c'est normal. On va configurer le système. Le mot de passe route. On va rajouter un compte utilisateur. Oui. En faisant pas de faute de frappe, ça sera mieux. Local, on va mettre FR, UTF-8. Keymap. Stab, on n'a pas besoin. On va juste changer le hostname. Voilà, comme ça pour s'en souvenir. Host local gen. Alors, il doit y avoir que l'English US et le F. Oh, pas d'UTF. On ne veut que l'UTF-8, merci. Ok. Local. Ok, c'est bon pour ça. Ok, donc ça c'est ok aussi normalement. Back. Bon, peut-être qu'on aura le clavier en français au démarrage. Avec un peu de malchance. Donc, oh, c'est un vieux 4.4. On est sauvé. On a un bon vieux noyau 4.4. Ce sera quand même mieux qu'un 4.1. Si après on a envie de switcher vers 4.9. Au moins, on a toujours 4.4. Parce que quand même, personne n'a des problèmes avec le 4.9. Moi, j'en ai pas eu, donc ça va dépendre du haut matos, installation. Donc, ça s'installe, n'est-ce pas? On installe. Bon, en BIOS. Ah, il n'y a que le GRUB à l'époque, autant pour moi. Je pensais qu'il y avait aussi 6VNIT, mais non, il n'y avait que le GRUB. 6VNIT. 6 Linux, pardon. Ma langue a fourché. Et je sens qu'il y en a un qui a bien rigolé, n'est-ce pas, Adrien? Ok, on quitte. Donc en gros en 10 minutes on a tout installé. On fait un petit reboot. En 10 minutes on avait l'ensemble installé. Cool. Même si c'est un vieux noyau. Parce que 4.4.19 commence à sentir le renfermé, n'est-ce pas? On en est au 4.4.50 quelque chose. Ça commence à sentir un peu le renfermé. Voilà. Donc, normalement on a aussi du réseau. Ouais, super, on a du réseau. Donc, on va faire déjà un yaourt. Moi, S, Y, Y. Pardon. Et on va commencer par faire un yaourt moins S Arch Linux. Enfin, Manjaro Keyring. Donc, Arch Linux.
Keering, Manjaro, Keering, Manjaro, système, qui va permettre de contourner tous les petits bugs qu'on aurait pu trouver. Enfin, qui existent. Les petits bugs, style écrasement de fichiers et autres. Voilà. Là, on a la base qui est installée. Donc, on va maintenant mettre à jour Pac-Man. Et après, on va installer. Parce que Pac-Man doit être un peu vieux, je pense. Là, 5.0, hein. Non, pourtant pour moi. Mais comme je vais faire un yaourt-s Pac-Man. Non. Non, merci. Donc là, je vais faire un yaourt-sykyqa. Je mettrai en pause et je reviendrai que ce soit terminé. Parce qu'il y aura, je pense, un sacré paquet de mise à jour à faire. Oh là là. Oui. On va remplacer. Oui, oui. Oui, 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 oui. Donc, il y a 324 mégas de mise à jour à faire. Il est 11h47. Je lance la mise à jour et je reviens dans un quart d'heure quand elle est terminée. À toutes. Voilà, 6 minutes sont passées. J'étais par contre obligé de faire un petit moins force pour contourner le bug avec libglx. Sinon, vous voyez, c'est passé comme être à la poste. Bon, ce paquet est mort, ce n'est pas la peine de le recompiler. Je ne veux pas le recompiler non plus pour celui-là. Ce sont des paquets qui sont morts. Donc, on fait yaourt-qdt pour virer les paquets morts. Donc là, on va faire un petit LSB release pour voir ce qu'il nous dit maintenant. 17.0.1. Allez, on redémarre. Et on voit ce que ça donne. Donc on est passé d'une 16.08 à une 17.0 quelque chose. Waouh! Ça fait plaisir. Donc est-ce qu'il démarre complètement? Oh, ça démarre! Donc là, on va installer Maté. Maté, Maté Extra, PA Mac et compagnie. La première chose que je vais installer, c'est les XDG User DRS. Comme ça, au moins, j'aurai les répertoires en français disponibles. Ah non, autant pour moi. Ils sont déjà installés, donc si je fais un petit DF, je suis... Enfin, un petit LS. Mince, LS. Bon, super! J'ai déjà les répertoires utilisateurs de créer. Ouais, bon, allez. On va faire yaourt-s maté maté extra PA Mac Manjaro settings manager et LightDM JDK. Voilà, donc bien sûr, si je. Greeter, si j'oublie le greeter, ça va pas le faire. Voilà, voilà, voilà. Donc, déjà, l'installation s'est bien passée, la mise à jour aussi, dans à peu près pour 2 minutes. Donc là, je vais laisser travailler. Mais ce qu'on peut voir déjà, c'est que apparemment, la mise à jour est passée. Donc là, je suis content, je ne pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Donc, pendant que ça va se mettre en route. Donc là, bien sûr, on installe la base. C'est pas super long. Et on a directement Maté 1.18 qu'on aura avec présentation comme la mienne par défaut. Et bien sûr, une fois que je serai sous Maté, j'activerai tout ce qui est rajouterai les Manjaro Pulse, tout ce qui est Manjaro Printer et compagnie pour compléter l'installation.
D'accord. Ah, j'aurais dû faire un petit Manjaro Mirror. Parce qu'il y a quelques miroirs qui sont morts, apparemment. Oui. Oui, je sais, je pourrais couper, mais bon. C'est bien lancé, autant en profiter. Non, là, ça m'énerve. Bien sûr, j'oubliais que le CTRL-C ne fonctionne pas dans ce cas-là. On est obligé d'attendre. Ouais, super le bug du Virtual Box. Non, mis à part le dépôt qui est un peu mort. Ah, c'est de ma faute, j'aurais dû faire un pseudo Pac-Man Mirror moins G. Tu vas pas m'ennuyer longtemps. Ben, c'est pas bien ce que je vais faire. Mais on va contourner ce bip de bug. Qui est de moins 9, 747. Voilà, donc on va gagner quelques précieuses secondes. Voilà. Alors, bien sûr. Désolé, aléa du direct. db.ck, c'est monsieur son nom. C'est par db.pacman.ck. Non, c'est pas ça. Bon. Ah, je m'en rappelle jamais. Bon, pas bien grave. Hein. C'est do reboot. Je m'en rappelle plus que se trouve ce temps fort de db.ck. C'est pas grave. On va recommencer. Aléa du direct. Bon, ça m'apprendra. Enfin, c'est de Pac-Man OS. Donc, il va me dire où se trouve cet empaffé de fichiers qui bloque. Voilà, var lib. Ah, oh, je m'en rappelle jamais. Désolé pour les aléas du direct. Voilà, normalement, il va recommencer. Ah, d'un seul coup, ça va mieux. Je ne me rappelle jamais où se trouve cet empaffé de fichiers. Donc là, on a directement les mises à jour de paquets. On n'a pas besoin de taper une mise à jour comme dans la première partie de la vidéo. Aléa du direct, bien entendu. Et la faute n'a pas de chance. Et j'en connais un qui doit bien rire, n'est-ce pas, Adrien? Voilà, normalement, si on fait un petit sudo système CTL start l'IDM, on devrait pouvoir se connecter sous notre ami Maté dès le départ.
là, dans 2 minutes, normalement, ma thé sera démarrée. Et maintenant, instant où on serre les fesses. Oh, l'item qui se lance du premier coup. On passe en plein écran. Apparemment aussi notre ami VirtualBox s'est lancé du premier coup aussi. Donc comme pour l'autre version, on va passer avec une présentation qui arrache rarement la rétine. Voilà. Gestionnaire de paquets. On va rechercher Manjaro ça. Manjaro Wallpapers. Alors, Wallpapers Printer, Pulse et les Wallpapers. Voilà, donc on va déjà appliquer ça. Et je dirais que déjà VirtualBox est installé. VirtualBox, les pilotes VirtualBox sont activés. Donc on va voir dans le système moniteur, gestionnaire de paramètres de Manjaro. Donc si on va dans la configuration matérielle. Oh nom de Zeus, ça fait plaisir de voir ça. L'installateur a fait son travail dès le départ. On n'a pas eu besoin de l'installer à la mimine. Oui. Ça se voit que le Manjaro Architect est encore en version développement. Donc là. Ok, il manque 2-3 icônes, mais c'est pas mortel. Donc, Notifier. Ouais, Settings Notifier. Appliquer. Valider. Donc on va changer le fond d'écran pour voir quelque chose qui arrache moins la rétine. Donc ajouter backgrounds. On va prendre celui-là. Voilà, vous avez votre Manjaro Linux maté. Donc bien sûr on va rajouter 2-3 outils. Ah, il manque l'icône de Network Manager. Ça se règle en 30 secondes cette histoire. Network Manager. Alors, applet. Peut-être avec un tiret, ce sera mieux. Voilà, ça sera mieux. Je vais activer le dépôt AUR. Donc, activer. Voilà, on applique. Je vais activer aussi le support de l'IDM au démarrage. On va réinstaller Systemd Genie. Systemd, pardon, pas Genie, Manager. Donc là, ça va être un peu long. Et comme pour l'autre, bien sûr, il manque les paquets base de bug. Non, mais ça, je n'avais pas installé, donc c'est normal. Mais en tout cas, je suis étonné de voir déjà certains trucs préinstallés. De voir que dès le départ,
j'avais Cubes, enfin j'avais déjà paquet VirtualBox préinstallé, chose que ne m'a pas fait l'architecte. Donc là, on va attendre quelques instants. Directement aussi les paquets préinstallés pour les répertoires utilisateurs. Bien sûr, on a maté un 18. Et comme j'avais précisé un peu auparavant, si on va dans Uname, et si on fait ASB Release, moins A, on est bien en 17.0.1. Donc là, pendant sa compile, je vais le mettre en pause le temps que ça compile. Donc il est midi 08. On va dire rendez-vous dans 10 minutes. À tout de suite. Voilà, 4 minutes sont passées et maintenant on a un système déjeuner qui est installé. Le dernier truc que je vais installer, c'est Chromium pour avoir un navigateur internet rapidement. Voilà, je repasse en plein écran. Donc, en pendant ce temps-là, on va voir quels sont les services qui sont activés par défaut avec si c'est avec la version NetInstall de Manjaro, la vieille NetInstall qui a été voué aux gémonies, entre guillemets, bien sûr. Donc, alors on s'aperçoit, bon, bien sûr, il y avait des mondes, on va l'activer, clac, le démarrer, DNSconfD, pareil qu'Emiguel, Chrony est activé, Display Manager, bon, bien sûr, là, il est activé, mais ça se voit pas encore. Bon, pas bien grave, je le referai à la mimine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? LightDM est activé. Network Manager est online. Cubes, on va l'activer et le démarrer. VBox Service, donc on va l'activer et le démarrer. Voilà. Donc, on va normalement voir si tout se passe bien. Si on lance le gestionnaire d'impression, il va nous ouvrir Chromium. C'est bon l'informatique quand ça fonctionne. Allez, on va pousser le bouchon un peu plus loin. On va mettre en place notre ami. Alors, centre de contrôle, bien sûr. C'est ça que je voulais. Voilà, on va laisser les derniers paquets linguistiques qui manquent. Et on va finir en passant au noyau 4.9. Soyons fous. Donc on va changer de noyau et normalement le 4.9.20, on va l'installer. Oui. Et normalement au démarrage suivant, on aura un noyau 4.9.20 avec un LDM AMAT qui démarrera au quart de tour. Normalement. Après, si vous avez envie de virer le 4.4,
Vous pourrez le virer tranquillement. Voilà. On va redémarrer. Un petit problème pour démarrer, donc on va les forcer à mimine, c'est pas bien. C'est pas bien, mais il n'a pas voulu redémarrer. Méchant. Advanced option, ok. Voilà, normalement le noyau 4.9.20 doit démarrer maintenant. Ça sent bon, ça sent très très bon. Ça sent vraiment très bon. Voilà. Bon, bien sûr, vous n'avez pas la personnalisation de Manjaro, mais au moins vous avez une Manjaro en dessous. Donc on a bien Manjaro Maté 1.18 avec une base netinstall. Et voilà. Donc vous voyez, c'est faisable. Donc on va éteindre. Donc pour conclure, le Manjaro NetInstall faisait très bien son travail. Dommage qu'il ait été remplacé. Peut-être que c'était trop complexe à maintenir en vie. Je n'en sais rien. Le Manjaro Architect est un outil quand même qui est pas mal, mais qui souffre pas mal encore de limitations, eu égard à son version 0.8 bêta. Enfin, sa version 0.8 qui prend quelque chose. Donc si vous voulez vous simplifier la vie, quitte à vous taper une mise à jour un peu longue, essayez de récupérer les NetInstall 16.0.8. Sinon, si vous n'êtes pas trop dérangé pour installer une version encore en développement qui peut vous claquer dans les doigts à cause d'un mauvais choix, vous avez un Manjaro Architect. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!